Cucu, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais regarder les salons que vous m'avez préparés pour le petit challenge de décoration. Un salon pour Noël. Bah, tout simplement, je vais aller dans la galerie, je vais prendre vos pièces, je vais les regarder. Et puis, on va se mettre tout doucement dans l'ambiance de Noël. Allez, c'est parti. Je vois qu'il y a quand même pas mal de petits salons. Et je vois beaucoup de couleurs récurrentes comme le rouge. Il y a un petit truc qui est bleu ici. En tout cas, c'est parti. Je vais commencer à installer tout ça. On va commencer avec la brique 86. On va mettre son salon ici. Et puis, c'est parti. Je vais aller découvrir ça. On rentre donc par la grande porte que j'avais laissée. Oh là là. Oh, c'est très mignon. Oh, c'est très mignon. J'aime beaucoup. En fait, l'ambiance est super chaude. Et c'est hyper cute. Ah là là, et alors le beau sapin avec tous les cadeaux, c'est hyper agréable. Il me semble qu'il y a un petit souci de hauteur de toit, de mur. Je pense que tu as dû faire les murs plus haut. Et là, du coup, ça a un petit peu fait sauter. Ouais, c'est ça. Voilà, ce sera mieux comme ça, j'ai envie de dire. Oui, ce sera mieux comme ça, effectivement. En tout cas, c'est super cute. Et t'as gardé quand même une des bibliothèques que l'on a ici. En tout cas, l'esprit salon est respecté. Et la décoration est vraiment très mignonne. J'aime beaucoup. Bravo à toi. Ensuite, on passe à une ambiance un peu plus froide, un peu plus glaciale. Parce que c'est les tons bleus qui me le disent. On va passer au salon de Miyori. Ah, je vois que, pareil, il y a eu une hauteur de toit, de mur qui a été changée. C'est pas la même chose à chaque fois. Je sais plus quelle hauteur j'avais mis. Bon, là, je l'ai mis au max. Comme ça, au moins, toutes les décos devraient se fitter avec la hauteur des murs. Et on rentre. Et ah oui, effectivement. Là, on est dans une ambiance beaucoup plus claire, beaucoup plus bleutée. Oh, il y a plein de petits flocons ici. C'est très mignon. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Non, franchement, l'ambiance est respectée. C'est, comme j'ai dit, une couleur un peu plus froide. Mais ça reste très joli. Et la petite déco Noël qui va bien. Le sapin a exactement la même place. On a des petits cadeaux. J'espère en tout cas que avec des petites décos qui sont empilées les unes sur les autres, c'est plutôt très mignon. Vraiment, l'esprit est là. Hein. L'esprit est gardé. On a nos fenêtres. On a nos décos. On a notre très beau canapé. Que j'adore puisque c'est le canapé que l'on a avec Paranormal. J'aime beaucoup parce que tu as même pensé à mettre des petites choses sur la table, tout ça, le bouquin qui fait que ça donne un peu de vie. Et effectivement, ça a été respecté parce qu'on retrouve les pierres et les poteaux qu'il y a avec la cheminée. C'est top, franchement, j'aime beaucoup. Ça donne un petit coup de frais et en même temps, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup. Merci à toi. Je vois que Marie WW44 en a fait deux. Donc, on va les regarder à la suite. Je vais placer le premier ici. Et on va aller chercher le deuxième là. Alors, pourquoi pas, hein, j'avais pas spécifié qu'il fallait qu'un seul. Mais bon, si tu débordais d'idées, pourquoi pas. Allez, on va aller visiter tout de suite. On rentre toujours par la porte. Ouh, oh oui. Oh, mais j'adore ton sapin. Parce que tu t'es casser la tête, on va, voilà, pour mettre des petites décorations toi-même dans le sapin. C'est-à-dire que là, tu m'as pris un sapin, oh là là, j'adore, un sapin de jardin, et tu m'as mis les petits bonhommes de neige et tout, mais ça a dû te demander un temps fou de faire ça, mais c'est magnifique, c'est beaucoup trop cute. Bravo, c'est très très beau. Là, franchement, je suis épatée, et j'adore l'idée. Mais alors, ça a dû te demander sacrément un bout de temps, quoi. Le reste de la déco est trop mignonne. Ah, mais t'as carrément mis un coin avec un lit, quoi. Avec un lit superposé. Toi, tu t'es dit, d'un salon, je vais te faire un appart. Tranquille. En tout cas, c'est hyper cute. C'est très chargé en termes de décoration. Mais ça, comme ça reste dans les mêmes couleurs, c'est pas du tout choquant. C'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup le fait que t'aies dépareillé également les canapés, les sièges. C'est vraiment sympa, avec le gros siège là, comme ça, qui fait un peu Père Noël, pratiquement. On dirait l'atelier du Père Noël que tu nous as fait. Les petites décos au-dessus de la cheminée, tu as modernisé la cheminée. T'as mis les souliers, mais c'est trop mignon. Mais j'adore, mais l'idée est trop cool. On a du vintage avec la vieille télé, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup. On se croirait vraiment dans la maison du Père Noël, ce que tu m'as fait. Hein. C'est génial, c'est trop sympa.
pas avec la guitare et tout. Il y a tellement de détails. Incroyable, j'aime beaucoup. On passe à ta deuxième pièce, Marie WW44. C'est la deuxième salon que tu m'as fait. C'est parti. Ah oui! Ah oui, là on est quand même plus dans les coloris. Alors là c'est moderne. Là c'est moderne. J'aime bien, tu m'as fait un truc rustique et un truc complètement moderne derrière. En une ambiance très chaleureuse, rustique. Ici, moderne mais un petit peu froid. J'aime bien, c'est très sympa. Ah là là, les canapés de paranormal, vous savez à quel point je les aime. C'est très très cool. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu m'as fait un corps à sapin. Hyper original, c'est la palme de décoration qu'on a avec écologie. Mais j'allais dire, mais c'est pas un sapin. Mais c'est génial. Et tu m'as mis des décorations avec saison par-dessus. En fait, ça fait tout plat, regardez. C'est complètement plat, c'est collé au mur. Bah, c'est moderne, hein. Vous savez que maintenant, dans les petits espaces, des appartements ou des maisons, des fois, on fait des tout petits sapins qui se collent au mur, qui prennent pas de place. Et ben, tu m'as fait ça et je trouve l'idée très, très cool. J'adore ici, tu as un espace bureau que tu m'as aménagé. C'est très, très, très sympa, très intelligent. Dis donc, tu fourmilles de très bonnes idées. C'est très agréable. Ah ouais, j'aime beaucoup l'ambiance. Et j'aime beaucoup tes idées, en tout cas, Marie, merci beaucoup à toi. Ah, franchement, merci. On passe maintenant à la vie en rose. Je vais te poser le salon dans le même sens que les autres, pourquoi pas. Clac. Et on va le visiter tout de suite. Oh là. Ah oui, toi, tu m'as carrément décoré l'extérieur aussi. Énorme. Et pourquoi pas, après tout, parce que c'est vrai que je l'ai partagé en tant que pièce. Mais s'il y a une des pièces qui vous plaît, vous pouvez très bien l'utiliser et pour faire une maison tout autour, hein, parce que moi j'avais mis le papier peint effectivement d'extérieur. Allez, on rentre à l'intérieur. Oh, c'est mignon. Oh, c'est beaucoup trop cute. J'aime beaucoup, parce que là, on est sur du blanc, du rouge et du saucisson. Non, du vert, hein, parce que c'est un peu les couleurs de Noël. On a des petites décorations partout. J'aime beaucoup le canapé, la chaise à bascule, la table basse qui est un coffre en face de la cheminée. Ah ouais, c'est très mignon. Ah là là, c'est très choupi. J'aime bien l'ambiance que tu as donnée. Et puis ici, on a le sapin de Noël avec quelques cadeaux. On a des petits rennes, on a la casse-noisette qui est là également. Très sympa. Avec des décorations, bien sûr, sur les fenêtres. On les voit bien à travers. Vraiment, c'est tout simple. Mais je trouve que ça met bien dans l'ambiance. C'est vraiment très sympathique. Merci beaucoup pour ta présentation, en tout cas. Nous avons ici le salon de Mylène Micoton que je vais installer ici et qu'on va visiter tout de suite. Comme d'hab, je rentre par le salon. Oh, oh oui, ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très simple, mais ça fait, en fait, vous savez, ça fait naturel. Ça fait salon vivant qu'on a voulu décorer sans trop en faire parce que bah, des fois, ça fait trop. Mais j'aime bien, en fait. Là, le sapin est mis en valeur parce qu'il est pile dans la bow window avec les petites décorations également sur les fenêtres et autour des fenêtres avec les cadeaux, le salon. Oh, ah ouais, très sympa. Oh, mais c'est quoi cette bibliothèque? Tu m'as fait une bibliothèque sur mesure avec les planches. C'est fait avec le mode tool que je ne sais toujours pas utiliser mais que j'adorerais utiliser rien que pour pouvoir faire des choses comme ça. Vraiment bravo, elles sont très bien faites. N'hésitez pas, hein, bien sûr, s'il y a un salon qui vous intéresse, d'aller le chercher dans la galerie. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot aux personnes à qui vous les prenez, parce que ça fera toujours plaisir. Vraiment trop cool, vraiment le coup de cœur, là. Les bibliothèques, t'as trop géré. Franchement, très sympa, il est très mignon ton salon. Merci à toi, Mylène Micoton, de ta participation. Ensuite, c'est Miss Peach Peach qui m'a fait un joli petit salon. Apparemment ultra kitsch, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Clac, je le fous ici et on va le visiter. Waouh. Oh là là, c'est kitsch, c'est rococo avec le papier peint que tu m'as mis là. On voit tout de suite les couleurs de Noël, hein, le rouge, le vert et un petit peu de blanc pour rehausser le tout. Là, on est vraiment, ouais, on est dans le kitsch. Je comprends ce que tu m'as dit, effectivement. C'est pas kitsch en même temps, c'est traditionnel. Je dirais plus que c'est traditionnel que kitsch. C'est très sympa. Regardez, vous avez les petits cadeaux et tout ici, la petite table de Noël, le beau sapin roi des forêts. Et le fait que tu aies mis les canapés en verre et tout, enfin, je sais pas, il se dégage vraiment un truc de très sympa. Ici, on a les petites casse-noisettes, on a les petits rennes.
Oh là, les cartes de vœux, c'est tout simple, c'est tout mignon. Et ici, on a les globes. Ah, vraiment, c'est sympa. Non, moi, je pense que c'est traditionnel, surtout. C'est très joli, mais traditionnel. Et en plus, t'as laissé une bibliothèque comme ça, les gens, bah, ils peuvent profiter de Noël et ils ne s'ennuieront pas. Et puis, écoute, merci beaucoup, Miss Peach Peach, pour ton petit salon. Ça me fait super plaisir que tu aies participé. On passe maintenant au salon de Pixelia, que je vais installer ici. Hop! C'est joli tous ces salons, hein. Ça commence à en faire beaucoup. Hein. Et on est parti. Ah, toi aussi tu as décoré l'extérieur et tu as même remis une petite peinture sur les murs, pourquoi pas. Je sens que ton salon va être un petit peu dans les bleus, dans les tons froids. Mais c'est aussi le ton de l'hiver, hein, donc pourquoi pas. Alors on est accueilli par une grosse guirlande qu'on se prend dans la tête. Ah oui, très sympa. Oh là là, ça me fait penser à la Reine des Neiges. Alors, je ne l'ai pas vu, hein, le film. Mais très ambiance bleu glace. Eh ben, on dirait que c'est le salon de la Reine des Neiges. J'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. Ah, le canapé de toujours. Vous savez que j'aime ce canapé, c'est pas possible. Vous en faites exprès pour me le mettre partout. Le canapé de paranormal. Les petits. Alors, c'est les petits fauteuils qui sont soit avec Mini Maison, soit avec Tricot. Je les aime beaucoup. Et ici, nous avons donc la cheminée. Ah, par contre, attention, tu as supprimé le papier peint, des briques au-dessus de la cheminée. Mais c'est pas grave, ça rentre quand même dans la décoration. Vous savez qu'il y a beaucoup de petites décos un peu partout. Ça, c'est sûr, on ne peut pas les louper, que c'est Noël. Ici, on a le beau sapin, du coup, en version bleue et avec de la neige. Mais écoutez, ça marche nickel avec l'ambiance de ce que tu as donné au salon. Moi, je trouve ça très joli, très mignon. Et ça change effectivement des couleurs traditionnelles. Et pourquoi pas. Et je suis sûre que la Reine des Neiges, elle va passer Noël ici. On passe au salon maintenant de Esprit Tiki, qui est apparemment retourné dans la tradition. Alors, on rentre et... Ouh là 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 là, c'est joli. C'est joli. Oh, regardez, on a plein de petits détails. On a la couronne sur la porte d'entrée. On a la bibliothèque. On a des petites décorations partout. La pendule, tout ça. Oh là là. J'aime bien. J'aime bien. Puis t'as mis une ambiance un peu enfantine avec quelques nounours aussi. Ah oui, tu t'es... Hey, tu t'es chié quand même parce que t'as mis des trucs en hauteur et tout. J'ai vu la petite... Le petit abri d'oiseaux que tu as dû mettre du coup à l'intérieur de la, caché à l'intérieur de la bibliothèque. C'est très sympa. Ah, j'aime bien avec ces rideaux-là, ça rend très bien, avec les petites lumières sur les fenêtres. Mais tu as fait une jolie toile en plus, très sympa. Ah oui, oh oui, tu as personnalisé avec des photos. Ah, ça rend trop bien en vrai, ça rend trop trop bien. Ce que j'adore, c'est ça. Alors, je pense que tu as dû mettre les hauteurs de murs un peu plus basses. Ça devait sûrement se jumeler avec la lumière que l'on a au-dessus. C'est dommage parce que du coup, bah, j'ai mis trop haut. Mais j'adore. J'adore l'idée et franchement, très belle réalisation. Hein. C'est très sympa. Voilà, on a encore un joli canapé qui nous dit « Viens t'asseoir ici » avec le petit thé qui nous attend, les petites bougies. C'est très chaleureux. C'est vraiment très agréable. Ah oui, t'as mis des faux coussins. Je connais l'astuce. Bah franchement, merci beaucoup l'Esprit Tiki pour ce joli salon. Très chaleureux et un petit peu enfantin qui fait plaisir. Ici, nous avons le salon de Sailor Zombies que l'on va installer. Oh, oh, ambiance un peu tamisée ici pour ce petit salon où on a de la couleur claire sur les murs contrastant avec le joli rouge, le canapé de paranormal. Ça me tue, vous êtes plein d'avoir utilisé, c'est génial. En même temps, il a tellement des belles couleurs et tout qu'il peut s'associer à beaucoup de choses. Oh, pareil, tu as personnalisé ton salon avec une petite famille. Oh, mais c'est trop cute, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup, c'est vraiment sympa, ça personnalise de ouf. Et les enfants sont très mignons en plus de ça. Ah, c'est trop sympa, j'aime beaucoup. Ah là là, tu t'es aussi chié à mettre des trucs sur la cheminée. Et on a... Ah oui, tu nous as fait un piano sur mesure, quoi. Piano synthétiseur. J'aime bien l'idée, c'est très bien foutu. Ah, j'aime beaucoup, c'est les petites guirlandes lumineuses sur les fenêtres. Ça donne tout de suite un petit truc en plus. Et c'est ce qui fait que tu as une ambiance lumière tamisée. C'est aussi avec les petites bougies que l'on a partout. Très 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 sympa, vraiment j'aime beaucoup.
Excellent petit salon, merci beaucoup. Et puis franchement, la personnalisation avec les photos des enfants, c'est top quoi. Merci à toi. On va installer maintenant le salon de mots soldats. Je vais te mettre dans le même sens et pouf, on va visiter tout ça tout de suite. On rentre par la porte et oh, 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 on est accueilli par une boîte aux lettres. Mais c'est la boîte aux lettres du Père Noël évidemment. Mais bien sûr, toutes vos lettres que vous envoyez, elles atterrissent ici, hein, les enfants, ne soyez pas surpris. Hein. Alors, autre chose que ça, nous avons donc des petites décos, nous avons un salon, nous avons un canapé tout douillé avec les... J'adore moi j'adore les gros fauteuils comme ça là qui ont son haut et tout ça. Ça fait un peu papy, mamie et tout, j'aime beaucoup. Avec un petit jouet pour les chats. Des petits... Bon, il y a des jouets partout en fait, des magazines, on se croirait vraiment que c'est habité. Ah mais oui! Mais d'ailleurs tu as mis des photos. Oh, on dirait mon Tyrion dans les bras de ce monsieur. Et une photo des enfants qui vont recevoir sur des cadeaux, peut-être s'ils sont sages. Ah, c'est un papy qui vit avec ses petits-enfants, peut-être. C'est rigolo. Et là, c'est la photo de sa femme, hein, qui est décédée depuis un moment, je pense aussi. Je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y a une histoire qui a été racontée. Ah, voilà le beau sapin avec tous les cadeaux au pied du sapin. C'est pour les enfants qu'on a vu sûrement sur les photos. Avec beaucoup de flocons sur le mur. Et ici, on a la petite déco. Ouais, j'avoue que là, il y a la présence d'enfants. Je pense qu'effectivement... C'est un salon exclusivement pour papy et ses petits-enfants. Et là, regardez, vous avez le fauteuil de papy avec sa télé cathodique. Moi, je vous dis, c'est papy qui vit ici avec ses petits-enfants. Et les gamins, bah, ils ont le reste du salon pour jouer, quoi. Et ouais, c'est pas mal du tout, ça. Oui, ils ont même le jeu du docteur. Trop marrant. Et ici, on a la vieille bibliothèque qui fait office de vestige aussi, hein. Très sympa, en tout cas. Joli petit salon qui sent le vécu, qui sent le... Tout simplement qu'il y a de la vie en fait dans cette maison et ça me plaît particulièrement. Merci à toi, Mossalda. Prochain salon, c'est celui de Béanaïs. Pour cette vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties parce que comme ça, j'aurai le temps de regarder tous vos salons. Et ce sera le dernier salon de visiter pour aujourd'hui. Merci Béanaïs déjà pour ta participation. Et c'est parti. C'est parti pour la visite. Oh, oh là là. Oh, bah pareil, on est accueilli par... Une couronne avec des décorations. Ah, on a une petite enceinte pour la musique de Noël. Oh, on a les petites lumières. Ah, c'est dommage, je suis en jour. Oh, c'est quoi ça? Magnifique petite toile. Oh là là, on est vraiment dans le thème de Noël. Là, on a Joseph, Marie, Jésus et trou tout tralala. Attention, hein, ça rigole pas. Ah oui, t'en as mis un autre ici. C'est vraiment la crèche, c'est super cute. Ah, très très bien. En tout cas, on a un très joli salon de couleur rouge un peu traditionnel. Ah mais t'en as mis plein en fait, ça c'est super cute. Je savais même pas qu'il y avait ça sur la galerie pour vous dire. Ah ouais, très sympa. En tout cas, c'est très religieux, j'ai envie de dire, comme salon pour le coup. Très religieux parce qu'on est vraiment dans le premier degré de Noël, la crèche et compagnie. Et ben c'est très sympa, ça change un petit peu, comme quoi chacun voit Noël différemment, hein, comme il le sent. Ici, on a le beau sapin avec tous les cadeaux qui sont au pied du sapin. Oh non! Même le petit chat ou le petit chien, il a son petit cadeau, mais c'est trop cute. D'ailleurs, le plumeau comme ça, ça me fait penser, il faut que j'en rachète pour Tyrion, parce qu'il nous a tous défoncés. Regardez les petites chaussures avec les cadeaux et tout, c'est absolument cute. En tout cas, ils sont très très gâtés pour Noël, cette famille-là, je vous le dis. On a une très jolie toile également ici d'une église, donc je vous dis que c'est un petit peu religieux quand même ici. La famille est très sur les principes. Et ici, on a même carrément la partition de Holy Night de Noël. Avec les cartes postales, les cadeaux et tout ça, c'est très sympa. Mais écoutez, franchement, ça change. Moi, je suis contente de voir vos Noëls comme vous les voyez, comme vous voulez le vivre. C'est hyper cute. Et ouais, ça fait du bien un petit peu, ça rafraîchit. Merci à toi pour ta participation. Et voilà pour cette première partie des visites de vos salons pour Noël. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui sont passés dans la vidéo pour votre participation. Les autres, ne vous inquiétez pas, ça vient dans la partie 2. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire quel salon vous avez préféré et lequel vous a fait le plus rêver. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas, partage, commentaire, like, tout ça comme d'habitude. Gros bisous, ciao.